Nous allons à la mer. Comme la Belgique, le pays ne touche la mer que par une étroite bande côtière d'environ 60 km. Bien sûr, sur toutes les routes, les troupeaux sont prioritaires. Et lorsqu'on a roulé longtemps sur les grands axes, il est nécessaire de s'arrêter de temps en temps pour se reposer. Le Zaïre est un pays équatorial. Il y fait chaud, mais il y pleut souvent. Enfin, nous apercevons la mer. Il y a bien sûr les activités traditionnelles et les autres plus récentes, mais tout aussi importantes. La station balnéaire a tout ce qu'il faut, mais pas plus. L'embouchure du fleuve est le pays de la mangrove.
ce drôle d'arbre où les branches ont des racines. Ce labyrinthe est bien sûr un paradis pour les oiseaux. Mais il est temps de retourner maintenant. Moni bolingo nanga, moni bolingo nanga, nalinga kayo mingo yo yo ma, moni e, moni e, moni e, mobali kitoko. Via Boma est une des premières églises. Et Matadi, le dernier pont sur le fleuve, et le premier port du pays. Nini bandeko.